Classe inversée, quatrième année, semaine 3. Le projet sur la roue des activités d'Omati. Les élèves vont faire ce projet. Ils vont mettre les photos, les phrases et dire ces activités. Puis le devoir, c'est de lire les dialogues. C'est comme un dialogue pour demander le nom, l'âge, ce qui chaque personne collectionne et pourquoi. Puis ils vont faire des activités comme l'activité de Nathalie en rouge et les activités de Satsuki en vert et les activités de Marianne en bleu. Puis ils vont colorier avec les mêmes couleurs. De quoi ont-ils besoin pour faire ces activités? À la fin, le devoir, c'est d'écrire ou bien entourer la photo, c'est-à-dire quoi, comme par exemple je danse ou je dors. La réponse, je dors. J'étudie et je mange. La réponse, je mange. À la fin, troisième cours, les élèves vont étudier une thèse, leçon 1, de quoi avez-vous peur? Les lexiques, bientôt, les vacances, avoir peur, un fantôme, un animal, batte, géante, une araignée, j'ai soif, boire, son, je dors, le jour, je vis, la nuit, un vampire, des pansements. Je n'ai pas mal, partout, une momie, des sorcières, bouge, des poux, une souris. Écoute, livre de l'élève, page 49, numéro 1. Unité 6. Bientôt les vacances. Leçon 1. De quoi avez-vous peur? Activité 1. Écoute, montre. Et mime. 1. Je suis tout blanc et je fais peur aux enfants la nuit. Je suis un fantôme. 2. Je suis un animal. J'ai 8 pattes. Je suis souvent petite. Je suis parfois géante. Je suis une araignée. 3. J'ai soif. J'aime boire du sang. Je dors le jour. Je vis la nuit. Je suis un vampire. 4. J'ai des pansements, mais je n'ai pas mal partout. Je suis une momie. Numéro 1, c'est une araignée. 2, c'est un vampire. 3, c'est une momie. 4, c'est un fantôme. They will listen to answer. Une chanson. Sympathique, qui fait de la musique
je fais des cauchemars. Y'en a marre, y'en a marre, y'en a marre, marre, marre. Y'a un vieux squelette pas très rigolo qui se casse les os. Tous les soirs dans le noir, moi je ne dors plus. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, plus, plus. Y'a une vieille momie, pas jolie, jolie, qui se réveille aussi. Fin de cette leçon, je peux demander à un élève de quoi a vu vos pères. Il peut dire j'ai peur des fantômes et des momies. Merci et à la prochaine leçon.